Mesdames et messieurs, juste deux mots de remerciements et de conclusion. Remerciements qui s'adressent à tous les panélistes pour les brillantes interventions. Remerciements aussi à ceux qui n'ont pas pris la parole, mais qui ont suivi infatigablement, comme notre ami Gianfranco Fattorini, défenseur des droits de l'homme, les droits de ces victimes depuis longue date, parce que comme on a dit, c'est une continuité dans le massacre des Mojahidines du peuple depuis maintenant 28 ans. Un remerciement qui s'adresse à chacun, à chacune d'entre vous qui venez des différents cantons de Suisse, de Zurich d'ailleurs, et aussi de Genève. Un remerciement au nom de qui? Au nom des familles, mesdames et messieurs, au nom des familles des victimes, parce que nous sommes ici, nous parlons, mais il y a celles et ceux qui veulent que leur voix soit entendue. Alors nous avons été, vous avez été leur voix, et vous ici, vous avez été leur voix, parce que n'oublions pas que des milliers de familles, des milliers de mères, des milliers de pères, de frères, de sœurs, ne savent pas toujours où sont enterrés leurs êtres chéris. Ils ont toujours le droit à se recueillir sur les dépouilles de son défunt. C'est un droit minimum pour un être humain. Ces milliers de familles, certains sont morts après 28 ans sans avoir pu aller se recueillir sur le charnier où leurs êtres chéris sont enterrés. Donc c'est très important, nous avons parlé, même si certains ont répété, mais il faut répéter, parler, parce que c'est un massacre qui n'a pas été connu, qui a été caché pendant 28 ans. Donc c'est très important que chacun et chacune d'entre vous qui quitte cette salle parle autour de lui, au-delà de ces réunions, sur cette vérité cachée. Et deuxièmement, c'était le mot de conclusion, c'est le dénominateur commun et le mot clé de toutes ces interventions, c'est-à-dire une commission d'enquête. Nous exigeons à ce que, pour le droit de ces familles, il y ait une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme qui va, bien sûr, comme une étape importante vers la justice pour ces victimes, ouvre une enquête impartiale, internationale, sur ces crimes contre l'humanité que le régime a tenté en vain de cacher pendant 28 ans, puisque nous sommes là et que nous sommes en train de le mettre au grand jour devant l'opinion internationale. Merci encore de votre présence et merci pour cette réunion.